Allez, bon bah suite de notre colonie, hein. Il se passe rien, on fait de l'eau, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire sur cette VOD de l'eau? Par contre, attends, quoi? Je viens de le construire? Non mais attends, mais là c'est du trolling, là. Production en eau 2,4. Et quoi, il marche pas? Ah, il a pas commencé, c'est ça? C'est vrai qu'il faut que j'améliore mes trucs d'eau. Ouais, je vais améliorer tous mes trucs d'eau. Ok. Ça coûte que 2 polymères de faire ça. Ouais, ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien, ça va être bien. Très bien. Alors lui par contre, ouais, coup de mise à niveau 1 sur 2 c'est bon. Ok, mise à niveau amplification. Alors ça consomme un peu plus d'énergie mais... Je suis toujours à 2,4 en production d'eau, c'est bizarre. Il y a un truc que je comprends pas je crois. Je crois que c'est parce que j'ai pas assez de... Oh mais diantre, c'est parce que j'ai pas assez de château d'eau je crois. Ok 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 ok, alors attendez attendez. Peut-être qu'ils peuvent plus prod et du coup ma prod ne monte plus parce qu'ils sont en mode on est capé, au secours. Enfin, un gros bordel de construction, ça me plaît ça. Je sais, hein, je sais qu'on n'est pas obligé de coller les bâtiments, juste je sais pas, ça me plaît. Ça me plaît de foutre le bordel. Ah, est-ce que ça va... Oh, 14 oh, c'était ça. Oh, mais du coup c'est mal fait. Il pourrait juste dire t'as plus de place. Ah my bad, j'avais pas compris. Oh j'ai une prod d'eau de cochon en fait. Ok c'est parti pour notre premier dôme les amis. Terrain il est inégal. Comment ça? Eh ben. N'est pas connecté un câble, ok. Non mais attendez, attendez, attendez. On va le faire ici. Ici. Paf. Et là, maintenant faut tout relier. Ok, 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 ok. Donc là, câble d'alimentation. Ouais, je sais, c'est le bordel. Pour l'instant, je sais, y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Y'a rien qui est connecté, je sais. On fait tout à l'arrache, là. Ça y est, tout est... Ah non, mais c'est bon, il est connecté, donc tout est relié. Ok, et les tuyaux, les tuyaux, les tuyaux. Et vous tapez, tapez, tapez. Hop. Et je pense qu'il y a besoin que de faire ce tuyau pour que tout soit connecté entre eux. Normalement, hein. Optimisation des transports, jalon atteint. Ok, ok, parfait, parfait. Ouais, ça c'est super. Hein. Ça c'est super, on adore. Les colons vivent dans des bâtiments. Dôme avec vue sur la zone industrielle. Ouais, oh, on est sur Mars, on peut pas tout avoir. Hein. Premier humain sur Mars. Ah, mais ça va. Quelqu'un m'avait dit tes premiers colons tu les auras dans, dans la 2-3 premières games, mais en fait ça va en vrai. Alors maintenant, écoutez, ce qu'on va faire, on va faire un complexe d'habitation. Alors là je me souviens plus trop de ce qu'il faut faire. Hein. On avait dit, alors il faut les trucs un peu... Sector scanned. On avait dit le bar espace. Le bar c'était important. Et à droite on avait dit des petites fermes. Enfin pas des petites fermes, les... ça là, non c'est pas ça, poste de sécurité c'est pas ça. Ça c'est de la décoration, ça sert à rien du tout. Ok, le labo de recherche, ça c'était bien. Mais ce qu'il fallait surtout, c'était des petites fermes. Comment elles s'appellent, bordel de race? Oh, faut que je le recherche, peut-être je l'ai pas encore. Il y avait l'épicerie. Épicerie, il y avait ça, je me rappelle. Et il y avait... La... Je sais pas quoi. Ah mais peut-être c'est pas dans le dôme. C'est là. C'était pas dans le dôme. Énorme. Je vais en faire deux. J'en fais deux. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, il n'y a pas de colon, c'est ça? Oui, mais sans deck. Sans deck, mec. Lorsque vous serez prêt, vous pourrez inviter les premiers colons sur Mars. Lancez une fusée de transport depuis la Terre. Faites-la atterrir près d'un de vos dômes. La fusée transportera du ravitaillement en nourriture, mais vous devrez... Fuite détectée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Perd 29 d'énergie par heure. Oh.
Comment on fait? À l'aide? Réparer. Réparer fuite. Récupérer. Non, bah non. Sûrement pas. Comment on fait? À l'aide? Les fuites peuvent être réparées par des drones pour 1. Ok? Eh bien, oui, je le souhaite. Réparer, pitié. Ah, c'est bon, ils arrivent. Ok, c'est en cours, c'est en cours. Énorme. Bâtiment non fonctionnel 5. Oh, quoi? J'ai moins 64 d'énergie. Ah, mais oui, parce qu'il y a la fuite, c'est ça? Et là, ils vont réparer et tout va aller bien. C'est ça? C'est vrai que c'est ça. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà, c'est bon. Ah non, moins 40. Ah oui, parce que... Ah non, ok, 15, 15, c'est bon, c'est bon. Ouh, ça m'a fait peur. Ok, bon, bah là, par contre, les éoliennes, c'est la cata. Hein. On peut améliorer les éoliennes? Non. En termes d'énergie, on n'est pas si bien. Hein. C'est pas dingue. Hein. C'est pas dingo. Hein. Ok, alors, voilà ce qu'on va faire. Je vais faire... Ok, on est en x1, là. Calmons-nous, quand même. Restaurant, boutique d'art, machin, on va peut-être se calmer. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les métaux rares et tout, là. C'est ça, non? Ah non, c'est pas ça, merde. C'est quoi, alors, ça? Extracteur de métaux. Ah, voilà. Ah, voilà. Et super, super. Super. Je sais pas comment on fait. Très bien. Et pour les métaux rares, c'est où? Je me suis gouré, en fait. Je croyais que ça, c'était les métaux rares. Et du coup, les... Ok, c'est quoi les gisements de métaux rares? Je me souviens pas. Aucun dôme à proximité. Non, mais ça, je sais. Mais je voulais voir ce que c'était, les métaux rares, du coup. Ok. Bon, c'est pas grave. Hein. On verra. Hein. Est-ce qu'il faudrait que je fasse plus de batterie, là? En fait, j'ai fait zéro batterie. Puis au début, j'ai fait juste ça. Accumulateur d'énergie. Il est plein. Je vais en faire plus, je pense. Là, après, je vais avoir des habitants et tout. Si j'ai plus d'énergie, ça va être la merde. Combien ça coûte? 2 polymères. Ça va, j'en ai du polymère. Voilà. Les métaux rares, ouais, c'était le truc avec les dollars, effectivement. Mais j'en ai où? C'est là? Ok. Donc c'est là que j'aurais dû faire mon dôme. J'ai été un peu con. Après, ce dôme m'a quasiment rien coûté. C'était le truc de la mission. Donc en fait, c'est pas très grave. Ouais, c'est là. Je crois que c'est là le truc des métaux rares. Ok. On est d'accord que si on clique, métaux rares souterrain, excellent. Panorama, machin. J'aurais dû le faire là, putain, il y avait le panorama et le... Je déteste. Recrute que des idiots sexy, renomme ton dôme en les anges sur Mars. C'est fini de dire des conneries, c'est incroyable d'entendre des conneries pareil. Ok. Mon usine à polymère. Ah non, pas tout de suite, attends. Usine à polymère et usine d'électronique. Qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite de l'eau. Et du carburant. Et ça nécessite des métaux rares. Donc les polymères on peut. Mais le reste on pourra pas. Donc attention. Est-ce que... C'est pas grave s'ils sont loin genre. Je crois qu'il était déjà relié mais c'est pas grave. Il faut surtout 30 travailleurs. C'est énorme. Hein. Ouais, je crois que c'est énorme. Hein. Je crois que je suis pas arrivé. Hein. Bon alors, voyons voir. Mesdames et messieurs, on amène des gens. Il faut un de chaque, hein, j'annonce. J'annonce pas de conneries, hein, pas de conneries sur le sexe. Pas de spécialisation. Femme adolescente, mélancolique. Mais pourquoi faire? Adieu. Il me faut un agent. Hypochondriaque. Ouais, c'est pas dingue. Nerd, très bien. Lui, c'est quoi? Homme d'âge moyen, joueur, récupère la santé mentale en jouant. Gustave Arthur, pas de spécialisation, robuste. Français. Dong Wu. Nerd hypochondriaque, fêtard. Non mais désolé, mais je peux pas prendre des gens sans spécialisation. Hein. C'est les premières personnes qui vont coloniser Mars. Alors qu'un botaniste idiot. Robuste, ah, c'est Dash. Hein. Totalement Dash. Hein. Gustave Arthur, c'est Dash. Je verrouille. On verrouille tout là. Ça veut dire que même si je clique, ils s'en vont pas? Sûrement ça. Ok, il m'en manque deux. Il m'en faut deux. Prenons quelqu'un de giga sexy. Il y a déjà des gens sexy là ou pas?
Il me faut des gens sexy, faut qu'ils procréent. Personne n'est sexy là. Non mais ça dégoûte. Attendez, filtre. Sexe, non pas sexy. Talent. Vedette. Génère du financement. Une fois confort élevé. C'est énorme. Ok, non, nous on veut des gens sexy. Ok. Là on a que des gens sexy, c'est ça? Ah parfait, parfait, parfait. Donc faut un homme et une femme sexy. Sélectionner 12. Attends quoi? Ah ok, il m'en a mis deux de base. Un homme et un homme. Alors, bon, pour l'amour, aucun problème, mais pour la procréation, ça va poser problème, les gars. Donc, voilà, il y a un enthousiaste et un mélancolique. Désolé, mais au revoir. Voilà, donc Forrest Jackson. Donc là, il me faut une femme sexy et soit botaniste, soit docteur, soit scientifique. Je pense que scientifique, ce serait pas mal parce qu'il en faut masse, j'ai l'impression. Genre là, voilà. Alors attends, il est américain. Faudrait trouver un américain. On s'en fout qu'il parle la même langue ? Calme, sexy, gourmande. Que demande le peuple ? Ah mais non ! Que demande le peuple ? Ben qu'elle soit scientifique. Donc c'est non. Désolé, c'est non. Scientifique. Voilà. On peut régler leur nationalité ? Non, on peut pas régler leur nationalité. Ce qui veut dire qu'à mon avis, ça change rien. Ça ne change rien du tout. Ok. Mélancolique, non. C'est... Ouais, c'est bon. Et non. Fêtarde. Oui. Ça pourrait être pas mal. Parieuse. 50% de chance de perdre de la santé mentale en allant au casino. Ouais, non, mais non. Perd chaque jour du confort lorsqu'il habite dans un dôme dont la population est supérieure à 30. Oh, c'est terrible. Hein. Attends. On peut... Non. Oh non, j'ai de choke. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, je crois qu'on a trouvé notre perle rare. Robuste, subit pas pénalité de confort lorsqu'elle mange de la nourriture non préparée ou qu'elle n'a pas de résidence. Taux de natalité grandement augmenté. On sent que c'est un live nocturne. Non, mais attendez. Sexe. Femme. En fait, il me met quelqu'un qui semble correspondre à la base. Filtre. Spécialisation. Scientifique. Mais pourquoi j'ai pas. Pourquoi j'ai d'autres gens? Mais personne d'autre. Personne d'autre. Voilà, que des scientifiques. Bon, très bien. J'arrive. Alors, on en était où? Ouais, mais juste sexy. Bon, voilà, au bout d'un moment. Attends, il y a plus sexy là. Robuste. Mais quoi? Ah non, attends. Oh putain, j'ai encore choke. Merde. Je m'embrouille avec l'interface, attendez. Filtre. Talent. On attend de un talent sexy. On veut que vous soyez sexy, c'est ça le talent qu'on cherche. Non, pas forcément génie, ça, on s'en fout. Vedette, pareil, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on veut? En forme, c'est peut-être bien, non? Peut travailler quand sa santé est basse. Oh, super. Non, calme. Calme, c'est bien, peut-être, non? Toutes les pertes de santé mentale seront réduites de moitié. Ouais, c'est bien, ça. Faut faire appliquer ou retour? Je crois qu'il fallait faire appliquer à chaque fois, hein, c'est ça. Il n'y a pas les gens sexy, je comprends pas. Ah, parce qu'il m'en a déjà mis un. Ah, je crois qu'il n'y a pas assez de candidats. Non, mais robuste et sexy, c'est bon, hein. Allez, ce sera toi. Bavia Kashiap. Non. Bavia... Je connais pas cette lettre, je sais pas comment elle se prononce. En tout cas, ce sera toi. Robuste et sexy. Enthousiaste et sexy. Forrest Jackson et Kashiap et Bavia Kashiap. Ils vont nous peupler Mars, là. C'est parfait. Et eux, c'est pas obligé qu'ils aient de la... Pas de spécialisation. Alors après, je me dis quand même... Ça aurait peut-être... Bon, ça me paraît bien. Pas assez de gens sexy sur cette planète. Tu as Krasimir qui est sexy. Ah ouais? Ah. Ils sont plusieurs? Ah oui, là, oui. Oui, non, mais fêtard mélancolique. Ça m'allait pas.
Ok, on y va. Bon, je pense que c'est bon, hein. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est enlever... enlever un homme qui sert à rien, là. Et mettre une scientifique de plus. Ah, par contre, lui, il a des traits de fou. Je pense qu'il faudrait enlever Gustave, hein. Le français qui sert à rien. Adieu, Gustave, hein. Désolé. On va mettre Peng Wang, qui avait quand même l'air d'être scientifique et qui voulait venir. Un sexy mélancolique, what else? Non, mais désolé, mais obligé, quoi. Ouais, ce sera Peng Wang, hein. Désolé, hein. Beaucoup plus utile, hein. Scientifique et tout. Allez, let's go! Bâtiment non fonctionnel 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, normal, c'est bon. Pour l'instant, tout va bien. Alors juste, par contre, comment on fait pour que les colons, ils aillent travailler là? Je me souviens plus, il faut un tunnel ou un truc comme ça? Non, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas sûr, hein. Premier né sur Mars. Et par contre, pour le premier né sur Mars, je vais galérer un truc de fou, non? Ça, c'est mon expédition, c'est quoi? Persévérance 1, lancer le satellite SETI. Ouais, c'est bon. Et ça, c'est la fusée qui arrive. En route vers Mars! Ils arrivent! Ils arrivent! Eh, c'est beau quand même, hein! On va avoir nos premiers humains! Vous êtes là à rigoler comme des baleines, mais en vrai, on va avoir notre premier humain, là! On va pouvoir créer des polymères. Alors moi, ce que je voudrais, c'est l'usine d'électronique. Ça, c'est le clutch play ultime, hein. Mais ça consomme des métaux rares. Oh! Météorite qui est tombée. Donc, il faudrait réussir à faire un dôme ici. Ça va être notre prochain objectif. Il faut qu'on fasse un dôme rudimentaire ici. Mais je produis pas assez d'eau. Si, quoique, hein. On produit assez d'eau, en réalité. Pourquoi j'avais 1 milliard d'eau tout à l'heure et là, j'ai plus rien? Je me souviens pas. Un micro-dôme, sinon. Ouais, non, non, il faut un dôme comme ça. Ça coûte quoi? Ah, je pense que je vais en faire un, hein. Les amis. Ouais, en plus, je vais faire panorama dedans et tout, là. Ouais, c'est sûr, hein. C'est sûr que je fais un dôme ici, hein. Après, on verra dans quoi ils habitent et tout, mais voilà. Et si on faisait un passage entre les deux? Oh, c'est du génie. Obstacle. Comment ça, obstacle? Oh non, c'est quoi les obstacles? Ah, il peut pas passer dans du câble. Je sais pas comment on enlève des câbles à l'aide. Je sais pas comment on enlève des câbles du sol. Ça me fait câbler, à vrai dire. C'est B? Mais comment ça c'est B? B c'est ouvrir le menu de construction. Arrêtez de mentir. Vous mentez. Vous comprenez que vous mentez ou pas? C'est ça, c'est récupérer? Ah oui! Bravo, vous ne mentez plus! Bon, lui il est relié au dôme, je crois que c'est bon, hein. Oh, notre satellite a été placé sur orbite martienne! Il demande la mission en cours de plusieurs décennies, consistant à trouver des signes de vie intelligents d'ailleurs dans la galaxie. Superbe! C'est superbe ce qui se passe. On adore. Un odor, on adore. Inodore, on adore. Ok, tunnel! Non, pas tunnel. Passage. Attendez, stop. Passage. Pas de dôme. Quoi, pas de dôme? Mais oui, je sais, je... Ah, c'est trop loin. Ok, ouais, j'ai peut-être un peu abusé. Allez, allez, ça va. Ça va, ça va. Reste d'alimentation divisée. Ouais, normal. Non, mais attendez, attendez, j'arrive. Parce qu'en fait, là, vous croyez que vous avez plus d'électricité. Mais en réalité, vous en avez plein. Voilà. Bâtiment non fonctionnel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment ça? Ah oui, lui, c'est normal. Secteur scanné, machin. Ok, tout ça n'est pas important. Ça, c'est quoi? Persévérance prête à atterrir. Let's go, les gars! Oh, y'a pas la place là? Oh! Oh, bah go, on y va! Hein. Ils arrivent, nos humains! Ils sont là! C'est bon, t'as juste pas démarré le tunnel sur une entrée. Non, c'est que le dôme est trop loin, je pense. Regarde, si je fais. Putain, j'ai encore appuyé sur la merde. En fait, le passage, c'est là. Et là, il dit pas de dôme, pas de dôme, pas de dôme, pas de dôme. Sauf qu'en fait, il va être max jusqu'ici. Et après, je peux pas aller plus loin. Ah, c'est normal, c'est normal. J'avais abusé un peu.
Ah mais c'est pas du tout des humains ça. Si ils sont arrivés. J'ai rien vu. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non elle est là. Merde. Camaraderie. Mais elle vient d'où cette fusée? Qu'est-ce qu'elle m'amène? J'ai rien commandé. J'ai rien commandé sur Amazon. Ok on y va c'est pas grave. Ils sont là nos humains, on va falloir traverser un petit peu vite fait, mais ils ont des combinaisons hein, ils sont. Vous inquiétez pas, hein. tout est éventuel. Ils sont là, regardez! Ils arrivent en courant! Ok alors là c'est la merde. Là c'est la merde. Ok, l'arrivée de colons supplémentaires est temporairement suspendue tant que la colonie ne peut pas limiter la vie humaine. Vos colons fondateurs doivent survivre au moins 10 ans avant l'arrivée d'autres bâtiments, d'autres habitants. La colonie. Ok, let's go! On y va! Ok, la priorité c'est la bouffe. Manque nourriture. C'est quoi ça? Transporte des ravitailleurs ou des passagers depuis la Terre pour rentrer sur Terre après un plein de carburant. Oui, je sais. Eh bien. Ah, c'est celle-là qui peut rentrer, c'est ça? Parce qu'il y a déjà du carburant. Eh ben, rentre. Ouais. Non, j'autorise. Je sais pas trop. Ah oui, elle peut partir en expédition, c'est vrai ça. Je sais pas trop si je la fais décoller. Ok, retourne sur Terre. Ok, c'est parti. Alors là, attendez. Là, ça y est, tout se joue maintenant. Aucune nourriture comestible. Ouais, ça arrive. Très bien. Bon, je vais les laisser se gérer un petit peu tout seul, je pense. Au début. Sinon, je vais faire de la merde, à mon avis. Au moins, on a fait venir des humains. Donc maintenant, l'objectif, c'est de tenir 10 jours. Un labo de recherche accélérera la découverte de technologies. Ouais, je sais. Ok, nos drones, ils arrivent. Très bien. L'autre dôme, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ouais, parce que lui, bon, on a lancé cette construction-là, mais on n'était pas sûr de nous. Hein. Du béton, ouais, c'est énorme. Ok, je vais quand même faire les câbles. Mais en fait, le contrôleur de drone va pas jusque là, c'est ça? Ah si, il y va, ok, cool. Ok, sympa. Des petits tuyaux, quand même. Et puis après, j'arrête de m'en occuper. C'est juste là pour être bien. Voilà, très bien. Voilà, ça va construire pépèrement. Là, il y a des full AFK, hein, je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Vous êtes full AFK. Vous allez aller ici. Hein. Ouais, parce que là, faut décharger la fusée et tout, il y a besoin d'aide. Durée restante 9 sols, 19h. Ok. Il y a de la bouffe, comment ça se passe? Ils sont tous en train de crever ou pas là? Naissance autorisée, oui. Le confort moyen de tous les couples fertiles est trop bas pour que des enfants ne naissent. Ok, y a pas de souci. On peut améliorer le confort. Hein. On peut faire un terrain de jeu, par exemple. Service, jouer. Crèche, espace de vie pour les enfants. En même temps, y a pas d'enfants là. Hein. École, peut-être pas encore. Labo de recherche. Est-ce que je suis pas obligé de le faire un petit peu quelque part? Ouais, si, sûrement. Hein. Plus tard. Casino. Exercice et social. Restaurant. Dîner social, nourriture. Sert les meilleurs plats sur Mars, utilise également de la vraie vaisselle. Infirmerie, visite médicale. Épicerie, poste de sécu, boutique d'art, magasin d'électronique. C'est dur de savoir ce qu'il faut. Détente, exercice, jouer. Petit jardin. Je me demande si je ferais pas un petit... Elle est trop stylée la crèche. Une crèche, un terrain de jeu. Est-ce que c'est que pour les enfants? Encourage la formation de talents chez les enfants grâce à des programmes d'accompagnement. Ok, donc pas tout de suite. Complexe d'habitation, est-ce que j'en ferais pas plus? Je sais pas, est-ce que ça suffit là? J'ai combien d'habitants? Colons 12 sur 14. Ouais, donc c'est bon, pour l'instant j'ai pas besoin. Il va me falloir aussi le truc pour les soigner là, j'ai vu ça tout à l'heure. C'était quoi? Infirmerie. Ouais, voilà, on va faire ça. Visite médicale. Ok, visite médicale. Et poste de sécurité. Oh, la criminalité par les renégats, putain, déjà. Les renégats. Et alors le restaurant. Ouais, le restaurant, vas-y. Faut que les drones ils construisent là, hein. Faut qu'ils se bougent le cul. Hein. Ok, j'ai plus d'énergie. Donc là, il faut faire des éoliennes.
Là, j'ai plus d'énergie, c'est du sérieux. Hein. C'est-à-dire que si tout le monde crève, énergie emmagasinée, j'ai 908. Ça va, j'ai un peu de marge quand même. Mais c'est normal qu'on ait besoin de plus d'énergie, parce qu'on est plus. Il y a des colons sur la net plat. Ouais. Allez, stop AFKing. Pitié. Dommage qu'il n'y ait pas un bouton où on voit les drones AFK. Toi, tu vas aller décharger les ressources ici. Genre là. J'ai oublié qu'il avait des ressources, lui. Bon, ok. C'est à cause de l'autre dôme. Ouais, non, mais l'autre dôme, ça va. Il faut qu'il stocke. Faut qu'il a... En fait, je sais pas pourquoi ils peuvent pas aller chercher de béton. Peut-être parce qu'il n'y a pas de stockage. Ouais, il n'y a aucun stockage de béton ici, en fait. En fait, il faudrait que je fasse un dépôt de béton ici. Mais je sais pas s'ils iraient mettre du béton. Je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils vont faire quoi là? Ils vont chercher du béton pour le mettre là. C'est ça? C'est ça qu'ils font? Hein. Non, c'est du métal. Ils vont récolter du métal. Mais j'en ai du métal 142. Ou moins 28 d'énergie! Non, mais c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que la demande en énergie est très forte. Mais pourquoi? Parce que c'est la nuit. Mais pourtant, j'ai un seul panneau solaire. C'est pas comme si c'est la nuit, ça changeait tout. En eau, on est bien. 4-4 sur 4-2. Transport de ravitaillement. Pour rentrer sur la Terre après un plein de carburant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué dessus pour qu'elle se casse. Non, c'est bon. Pas de problème. Oh, l'énergie, c'est la merde. C'est la merde. Merci, Mienda. Ok, alors attendez. Votre attention, s'il vous plaît. Défaut de conception. L'hélice de la turbine à vent tourne à peine dans le vent martien. Nous avons un problème, une défaillance majeure dans le design de nos éoliennes. Leur fonctionnement est gêné par l'accumulation progressive. Alors, le RU fonctionnement par l'accumulation progressive de fines poussières. Inévitable sur Mars, par conséquent, ok, c'est énorme. Alors, essayez de réparer les turbines avant existantes. 1. De maintenance d'urgence pour les turbines, mais elles retrouveront un niveau de production optimal. Ok. Politicien, réussir à convaincre le centre de contrôle de fournir une sonde. Ou il ne peut s'attendre à certains problèmes de conséquence. Effet. Effet, on verra. Non, vas-y, go. Paf. Ça a marché, on est à 35. Superbe. Ok, on est très content. Adaptation au sol, ça c'est fini. En recherche, on est combien là? Ok, on est là. Taux de détection ne nécessite plus d'énergie et de maintenance. Ça, c'est pas mal, parce que j'en ai une. Ce sera toujours ça d'économie. Ça, c'est quoi ça? Notre design d'éoliennes sont en sous-performance. Il nous faut un meilleur qui tienne compte des véritables conditions sur Mars. Ok, on annule tout. On fait ça, puis ça, puis ça. Même ça, en fait. Amélioration Oxime. Parfait. Aucune nourriture comestible n'a été récoltée. Quoi? À l'aide? Tout le monde est mort? Non, c'est pas vrai, on est à 101 de bouffe, ça va, ça va. Consommation de nourriture, zéro. Les ressources sont low. Ok. Les ressources en stock devraient durer moins de 3 sols. D'accord. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... En fait, je sais pas à quoi ça sert... Les amis, dites sur le chat, dites-moi, j'ai besoin de vous. À quoi ça sert de faire rentrer une fusée quand elle est pleine de trucs? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose avec mes fusées avant qu'elles décollent ou juste je les renvoie? Et ça fait un truc. Je peux améliorer les éoliennes. Ouais, je peux, je suis en train de faire la recherche pour. Je suis en train de faire la recherche pour, exactement. Avec des métaux rares, tu gagnes de l'argent. Ouais, c'est ça, mais pour l'instant, je peux rien en faire. Ouais, pour l'instant, ça sert à rien. Parce que là, j'ai pas les métaux rares encore. On retourne sur Terre. Il me faut... Pour envoyer du fret. Ouais, c'est ça, faut que je fasse, ce sera après. Il me faut une petite capsule de ravitaillement là. Je vais faire venir un peu d'électronique, un peu de pièces détachées. Full pièces détachées en fait. On y va. Adieu. Ah ouais, en fait, chaque fois qu'elles décollent, elles font ça, du coup, il faut peut-être que je. je sais pas si je peux déblayer. Je sais pas comment faire déplacer du béton ici. Peut-être avec mon gros cargo là. Charge du béton. Ok. Voilà, ça va faire ça. 450 millions pour la livraison, ça va. Disons que j'ai le budget, mais faut pas abuser. Ça fonctionne, ça? Ah ouais, ça fonctionne, hein. Ils sont en train d'en faire et tout. Hein. Nice. Ok. De l'eau, c'est bon. Électronique, bof bof. Là, c'est pièces détachées, ouais, qui manquent un peu au truc.
Là, ça fonctionne pas, ça. Ah si, ouais, ils devraient être 30, mais ils sont que 2, mais ça fonctionne quand même. Très bien. Bon, cela dit, ça devrait... En vrai, ouais, il faut qu'on arrête ça, on s'en fout. On s'en fout que ce bâtiment fonctionne. Celui-là aussi, on s'en fout pour l'instant. Je préfère qu'ils s'optimisent dans leur truc avec les bâtiments actuels. Ouais, vaut mieux, je pense. On est où des scanners, là? Pas d'anomalie, là? Eh non. Et donc? Voilà, là, ils amènent du béton. Parfait, ça a fonctionné, ce que j'ai fait. C'est un peu... C'est un peu un... un pansement, mais tranquille. ok. Bon. Santé moyenne 100, santé mentale, ok. Confort moyen 52. Les bâtiments de service ne fonctionnent pas. Social. Les bâtiments ne fonctionnent pas. Shopping. Il faut du shopping et du social. Eh ben, j'ai pas, hein. J'ai pas pour l'instant, hein. Social. Ah si, ça j'ai. Shopping et social. Il n'y en a pas un qui fait les deux. Shopping, jeu. Luxe shopping. Nourriture shopping. Ok. Nourriture shopping. Après, l'épicerie, c'est shopping. Hein. Ok, des ressources. T'as décidé de jouer à ce jeu dû à l'arrivée récente de Persévérance sur Mars ou rien à voir? Disons que ça m'y a refait penser, ouais. Je voulais déjà tester le jeu, mais ça m'y a fait repenser. Ok, un peu de pièces détachées, ça fera pas de mal. Donc attends, shopping et truc. Shopping et social, on a dit. Magasin d'électronique. Je crois que je sais pas si ça sert à quelque chose. Et social, genre gymnase de plein air. Oh! Boum! Un petit gymnase. Bon, et là, je ferais bien un petit parc pour le reste. Pour ce qui est du reste. Le détente, exercice, jouer, ça fait beaucoup quand même. De voir quelle forme ils ont. Un étang, trop classe. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est ça, 3,2. Jardin de pierre. Un petit jardin zen. Pas mal, hein. Et là, un étang. Un étang faute de mieux pour l'instant. Ok. Sauvegarde automatique. Ok. On construit. Quoi, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi qui va pas? Consommation. Manque électronique. Ah ouais, c'est vrai, ça sert à rien. Je suis un abruti. Ok, my bad. Ah ouais, il consomme de l'électrique. Je suis vraiment trop con. J'ai fait n'importe quoi. Ok. J'ai fait n'importe quoi. Je voulais faire du shopping, mais en fait, c'est pas possible. Effacer les restes de cette installation. Oui. Efface. Allez, dégagez-le. Du coup, ils ont une ruine. Ils ont une ruine en rouille. Énorme. Hein ? Enlever les restes. Je comprends pas. Est-ce que quand il est en rouge, ça veut dire enlever-le ? Ah oui, c'est ça. Ah, nickel. Ok, et donc en termes de confort, machin, ils en sont où ? Les bâtiments de service ne fonctionnent pas, diner. Les bâtiments de service ne fonctionnent pas, shopping. Enfin, dîner, pas diner. Et donc, il faut le restaurant. Donc, lui. Dîner. Et pourquoi ça fonctionne pas ? Plaisante ou quoi ? En fait, c'est parce qu'il y a trop de bâtiments et j'ai pas assez d'emplois, je pense. Ouais. Nariel. Un peu de calme. Attends, mais je comprends pas. Pourquoi ils disent ? Ah, parce que shopping et dîner, il en faudrait un de plus ? C'est ça, non ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ou alors, il faut que j'active la plage de nuit ? Ah, mais j'ai plus assez de gens. Ah non, mais j'ai pas assez de gens. Moral moyen 63. Ou alors peut-être qu'on se dit j'ai plein de bouffe, du coup on retire quelqu'un à la ferme. Peut-être qu'une ferme c'est suffisant. Voyons si une ferme c'est pas suffisant.
Ouvert 24/7 l'épicerie. Le resto, pareil. Boum. On voudrait quelqu'un. Hein. Là, non. Évidemment. Ok, on a quelqu'un à l'épicerie. Le restaurant, ça y est, ça bouffe un max. Ok. Ok, ça remonte, 56. Ok. Après, je sais qu'ils sont que 12, hein. Je pense qu'ils peuvent, les pauvres. Hein. Non, mais le bar, typiquement, on s'en fout complètement. Enfin, je veux dire, on s'en fout complètement. Parce que bon, détente, boire un verre, social, qui s'en fout? On est sur Mars, merde. L'infirmerie. Tout le monde s'en fout. Service visite médicale. Mais ça, je crois que j'ai tilt avec ça. Je crois que c'était pas la peine. Je crois que c'est trop tôt. Ah, d'accord. On choisit la... Ok. Ok, ils sont 3 ici. Ils sont 3 là. 56. Visite médicale. Ah merde, ça faisait partie du truc. Ok, ok, my bad. Ouais, désolé, hein. Désolé. Non, mais désolé. Visite médicale, ça va arriver. Ça va arriver. Ah, par contre, ça met du temps à revenir. J'ai l'impression. Bientôt fait la moitié. Bientôt fait la moitié, il faut que je tienne 10 sols. Comment ça se passe sinon? Énergie, c'est bon. Là, on a tout qui est bien. Hein. Par contre, je comprends vraiment pas comment pourquoi ils disent que les bâtiments de service ne fonctionnent pas. Bon, après, c'est la nuit. Là, on est la nuit, c'est ça? Non, mais même. Là, on a mis un 24/7. Bon, là, non. Plutôt comme ça. Et là, normalement, elle devrait arriver. Elle devrait reviendre. Voilà. Elle est reviendue. Ok, confort moyen 54. Et là, on a tous les services qui sont activés. Et ils s'en foutent. Ça monte pas. Ça va passer de 56 à 54. J'ai envie de péter les plombs. J'ai envie de péter les plombs. En fait, c'est trop important les, ouais, les pièces détachées. Ça fait la maintenance. Dommage qu'on puisse pas savoir ce qu'ils veulent. Inspecter les résidents. C'est quoi ça? C'est leur confort, c'est ça? Genre lui, qu'est-ce qu'il veut, lui? Détente, shopping, dîner, boire un verre, visite médicale. C'est son centre d'intérêt? Son centre d'intérêt, c'est visite médicale. J'aimerais bien qu'ils aient plus de confort. Je sais pas comment faire. C'est refresh tous les jours à chaque sol, j'ai l'impression. Ouais, on dirait, hein. Mais là en même temps ils ont pas de besoin particulier, donc c'est compliqué de se dire je vais faire un tel ou tel truc. Permet aux véhicules et aux drones d'emprunter les passages. Pas mal. Est-ce que je ferais pas un labo de recherche? Ah mais non, ils sont pas assez. Ah, ils sont que 12, hein. Ah, c'est vrai que 12 au début c'est chiant, hein. Parce que en fait, fuite détectée. Ah oui, merde. Il faut réparer. Il y a des drones dispo là. Allez, les AFK là. Vous voulez pas Ah oui, mais non, c'est lui qui y va, c'est ça. En fait, ta game se débloque à partir du moment où t'as gagné cette étape là. Puisque après, tu peux faire venir des gens à l'infini et les amener dans des dômes et leur dire venez, machin et tout. Mais avant, tu dois tout faire à 12. Tu dois essayer de tenir à 12. C'est ça le principe. Donc en fait, tu t'en fous un peu. Bon, sauf si t'arrives à faire une procréation avant. Ah, il leur manque un truc de jeu. Bah, un terrain de jeu, ça peut le faire. Et c'est pas que pour les enfants, ça? Si, chez les enfants, voilà. Oh, bon sang. Nourriture shopping. Jeu. Ouais, mais ça consomme des trucs électriques. Attends. Non, on a rien. Hein. Ça consomme du jeu. Attendez, j'arrive. J'arrive. Jouer, ça c'est les enfants.
Et ouais, bah c'est le, ouais, c'est le début, hein. Au début, forcément, hein. Y a pas trop de trucs de jeu. En fait, y a pas de trucs de jeu qui consomment pas d'électricité pour les adultes. En tout cas, pas pour l'instant. J'ai pas pour l'instant. À moins que jouer, ça compte, mais je crois pas. Je pense vraiment que c'est jeu. Ouais, non, c'est jeu qu'il leur faut. Voilà, ils sont à 55. C'est vrai que ça passe en vert, hein. Je sais pas. Après, on peut se dire qu'on s'en fout. On a fait la moitié, quasiment. Pas encore. Je pourrais préparer mon deuxième dôme, en réalité. Pour quand les autres arriveront. Je pense que je vais faire ça. Mais dans le deuxième, je ferais bien un giga. Parce que, truc de mes recherches, là. Ils sont où, mes recherches? Non, c'est pas ça. Les recherches... C'est vrai qu'il y a la vue planétaire, j'ai vu ça tout à l'heure, mais... Après, on a peut-être d'autres... Bref. Sector scanned. Une anomalie, ça faisait longtemps. Il est où mon truc? Il est là, je crois. Là, là. Non, de toute façon, on peut lui cliquer dessus, je suis un idiot. Hop là. Un toboggan. Les idiots vont kiffer les toboggans. J'ai un bac plus 6, un bac à sable, c'est mon rêve. J'avoue, les bacs plus 50, là, on vous met un petit bac à sable, vous êtes pas content? Bon, bah voilà, bah là, c'est pareil. Oh, ça stocke du carburant en masse. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mon nouveau dôme. Mais en gros, oui, non, je voulais aller chercher mes recherches. Est-ce qu'on a fait les appartements? Eh ouais, non, on en est aux éoliennes, là. Hein. Ah, putain, c'est long, hein. C'est long de ouf, là. Je sais pas si on peut mettre en suivi le truc de recherche quelque part. C'est quoi sous-traitance? Oh! Sous-traiter 1000 de recherche. C'est quoi ça? Pour 200 millions dans les 5 sols à venir. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'en gros là, en 5 sols, je fais 1000 de recherche gratos. Parce que c'est la Terre qui me fait le truc. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pour ça que les labos, c'est important. Ben ouais, mais à 12! Quand la vie vous tend la main. Quoi? Alors, c'était sûr. Non, c'est sûr. Établir un nouveau chez soi lors d'un monde extraterrestre requiert entre autres de l'enthousiasme. Avoir un but, voilà la meilleure motivation sur le long terme. Depuis son arrivée sur Mars, l'enthousiasme de Forrest Jackson dépasse la moyenne, même selon les critères des fondateurs. Et la productivité incroyable qui en résulte se résume à une simple explication. Forrest Jackson adore faire ce que Forrest Jackson fait. Vous savez que Forrest Jackson, c'est... C'est le mec sexy. Hein. Affiché ou bonne attitude? Je comprends pas. On va l'afficher, c'est ça? Oui. Ah oui, d'accord. Les colons disposent de plusieurs stades de base. Vous pouvez surveiller l'état de chaque colon dans leur panneau d'information. Pour maintenir vos colons en bonne santé, vous devez leur fournir de la nourriture, de l'oxygène, de l'eau et des accès à bâtiments de service optionnels. Mais ça, j'ai compris. Mais Oh! Ok. Alors attends. Ouais, non, la production d'électricité sera pour plus tard. Anomalie analysée. Sans rien trouver d'anormal, il semblerait que les relevés étranges n'étaient dus qu'à des parasites de senseurs. Est-ce bien sûr? On le saura plus tard. Moi, ce que je vois, c'est que... ouais. Boutique d'art. Luxe et shopping. En vrai, petite boutique d'art, là. On verra plus tard. Elle consomme... j'ai vu ce qu'elle consommait. Un peu de polymère et tout. Mais les polymères, on va en faire très bientôt. Polymère, je suis confiant. Shopping sur Mars, j'ai envie de me couper une couille. T'es obligé. Research complete. Défaut de conception. Interdiction de construire des turbines à vent a été levée. Les schémas de nos turbines à vent ont été mis à jour. Le nouveau design est si bon que nous attendons une augmentation de production de 15%. Ok. Mais on est resté à 19. À 38. Parfait. Boutique d'art, ça fonctionne pas. Le bâtiment a besoin de 1 pour reprendre son... Bah c'est bon. Ok. Recherche terminée éolienne. Donc ça c'est parfait. C'est parfait. Là on va pouvoir passer au détecteur autonome. Est-ce qu'on fait les apparts? Je pense que ça sert à rien pour l'instant. Enfin les immeubles basse gravité, pardon. Non, ça va le faire, hein. Pas assez d'ouvriers. Ouais, je sais. Non, mais après, on peut enlever. Et ouais, c'est ça.
On peut enlever l'épicerie de nuit. Et on met, voilà, on met ça. Là, pareil, ça, on peut l'enlever de nuit et on lui met deux là. Voilà, parfait. La bouffe, ça se consomme. Non, mais ça va le faire. 56. Je suis sûr qu'au prochain jour, il sera encore plus content. La consommation, c'est par jour et la maintenance, car il y a un des deux casinos ou l'autre qui ne prend que l'électronique due en maintenance. Et ouais, mais l'électronique... Enfin, le casino... Le casino... Tu vois, maintenance 2... Et il me faut 15 électroniques en coût de base. C'est pour ça que j'ai pas pu le faire, tu vois. Bon, attendez. Petit complexe d'habitation. Est-ce que j'en ferai pas deux? En même temps... Un complexe d'habitation, ça... Ça fait masse, quoi. Alors, le truc, c'est que pour le prochain dôme, j'aurai pas assez d'eau. Là, il y a de l'eau ici, mais c'est si loin. Ça paraît si loin, ça paraît si impossible. C'est quoi, ça? Site de recherche. Ah ouais, d'accord. Ça, là, il y a des métaux rares, ici. L'eau est si loin. À l'aide. Parce que là, en eau, je suis à 0. Production d'eau 5-2, demande en eau 5-2. Donc, mais en même temps, l'eau, j'ai l'impression que je produis masse. Ouais, ah mais non, oui, c'est vrai. C'est parce qu'en fait, non, oui, je produis encore énormément. Ah oui, c'est le truc de tout à l'heure. La production n'est pas à pleine capacité par manque de demande. Augmentation possible de 4,6 au besoin. Ouais, c'est ça. C'était écrit. C'était écrit. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ce bâtiment a connu une défaillance. Les drones peuvent le réparer moyennant un truc. Oui, bah go, on y va. Réparer, les gars. Allez-y. Je sais pas comment on fait pour leur dire de go, mais go. Je suis d'accord. Anomaly found? Yes. Et ici. Voilà, c'est pas très grave pour l'instant. Ok, maintenant. Ici. On va refaire deux fermes. Ok. Avec une épicerie. On leur refait une épicerie aux gars. On leur refait un restaurant. Non, on leur refait un bar. On a compris que le bar, c'était important. Et puis après, c'est déjà pas mal. Non, un labo. Faut qu'on fasse un labo. Mais de toute façon, quand j'aurai plus 12 personnes là-haut, je pense qu'on supprimera ça, là, et qu'on fera un labo. Oh! Les technologies suivantes sont apparues sur l'écran de recherche. Financement participatif martien, énorme, et compression de stockage. Jure, le crowdfunding. Recevez une unique subvention de 1 milliard. C'est énorme. Merci à tous. Ok, très bien. Très bien. Ça me va. Sous-traitance. On a fait là déjà ou pas? Pour 200 millions. Ouais, allez, vas-y. Un peu de sous-traitance à coût de 200 millions là. Ah, tu peux recliquer? Ah ouais, d'accord. Tu peux full boosted. Bon, ça va le faire, hein. Ça va, on va gagner, hein. Bon, on va y aller. Bon, pas mal du tout, hein. Bon, de toute façon, moi, je pense on va stop. Je pense que je vais stop à la fin de mes deux sols et 20 heures, là. Je pense que je stop à la fin de ça. Et après, on reprendra. On reprendra demain, genre. Demain, après-demain, j'en sais rien. Ça nous fait une vraie fin et demain on peut chill tranquillou en revenant dessus. En tout cas, la cam ça a l'air réglé. Hein. Vous avez vu YouTube? La cam c'est réglé là. Après, il est que 22h. Après, il est que 22h. Mais par contre, ils ont réparé là ou pas? Pourquoi ils réparent pas à l'aide? Ah, je sais pourquoi. Parce qu'il faut que je trouve les ressources en pièces détachées. Et que je les décharge ici. Oh non! Oh non, mon dieu! Bon, il les a. Ok, il les a. Et là, il faut que je les décharge là.
Et là, hop, ils vont le prendre et vont aller réparer. Resources are low. Ah, y a pas de décharge ici. Resources are low. Est-ce qu'on ferait pas venir une petite... Putain, ça part comme des petits pains, hein, les pièces détachées. Hein. Ça dégoûte. Ça dégoûte. Bâtiment non fonctionnel. Oui, bah ça, je sais. Hein. Je sais, les gars. Aucune nourriture n'a été achetée. Ça, on s'en fout. On a de la marge. On a 82. C'est énorme. C'est considérable. Bon, du coup, pas de... Ouais, hein, pas de bébé, alors. Hein. Ils sont à 58 en confort moyen. C'est quand même pas mal. Mais pas suffisant pour procréer, visiblement. Visiblement trop de préservatifs sur Mars. Mais attends, mais la décharge, comment ça se passe là? Roche stérile. Je pensais pas qu'il fallait plusieurs décharges, je viens de comprendre là. Est-ce qu'on peut en faire des roches stériles? Bon sang. Bon sang de bonsoir. Ok. Pff. J'ai envoyé une usine de pièces détachées par navette au début. Ah ouais, je sais, mais en fait, je peux pas encore la faire parce que y a pas la main d'œuvre. Elle est là, regarde. Elle est ici. Usine de pièces détachées. Maintenance 2 électroniques. Et surtout, il faut 15 travailleurs. Donc c'est énorme. Hein. C'est ça le problème. Non mais là je vais me faire venir une petite voilà, une petite capsule de ravitaillement, petite pièce détachée, on y va, elle va arriver et puis voilà. Elle va arriver. Hein? Qu'est-ce qu'ils font eux là? Ah, ils se rechargent bien sûr. Et oui, rappelez-vous, les réseaux de drones doivent recharger les drones. Souvenez-vous. Nous l'avons vu au tuto. Pas assez d'ouvriers. Ouais, je sais que c'est... Vous êtes 12, hein. Vous êtes 12, les gars. Hein. Confort moyen 60. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Allez, go, là. Anomaly found. Bah, go. Hein. Est-ce qu'on sait s'ils sont proches de la procréation ou pas encore? Oh, yes. Générateur Zergling. Une bonne recherche, ça. Et voir le bébé à 3h de la fin. Oh, ça me va quand même. Qui procréère qui procrée actuellement là? Est-ce que les gens pourraient procréer, s'il vous plaît? Pas que ça à faire d'attendre, moi. Palier de natalité, 55 confort. Ça veut dire quoi, ça? Nombre d'hommes désirant des enfants, 5. Nombre de femmes désirant des enfants, 2. Le dôme est assez confortable pour que des enfants y naissent. C'est écrit en bas. Et ben alors, crèche, résident. Ouais, bah tranquille. Bah go là! Les enfants ne demandent qu'à naître. Nouvelle technologie disponible. Réseau de drones, élimination de la poussière. Les panneaux solaires sont progressivement nettoyés lorsqu'ils sont fermés. Ok. Et réseau de drones. Capacité de stockage, eau, oxygène et énergie augmentée de 50%. C'est énorme. Et réseau de drones, c'était quoi? Ah, c'est ça. Nouvelle construction, réseau de drones. Contrôle les drones et les assigne à différentes tâches. Quoi? Ah, je peux le faire et j'ai plus besoin de les call. Ah, c'est cool, hein. Vas-y, on rajoute, on rajoute. Ah, mais là, j'ai trop de trucs. Trop de trucs que je veux faire. Et ça, j'en ai rien à foutre, non? Sous-traitance. Let's go, les gars. Merde. Je dois tout sous-traiter, moi. Ok. Ok, on a des pièces détachées. C'est bien. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bravo! Oh, merci Little Hog pour les 5 subs. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ta générosité. La vie est rude sur Mars. Même en y étant préparé, il faut s'attendre à des addictions. Malgré tous les efforts pour recréer un environnement similaire et aussi dur que, sûr que Terre, l'esprit n'est jamais loin des dangers qui accompagnent le privilège d'être un pionnier interplanétaire, chacun sa façon. Le fondateur Christian Bertrand a le trait alcoolique. L'alcool n'est pas la solution. Ça fait quoi de cocher des choix dans ces fenêtres? J'ai l'impression que ça ne fait absolument rien. J'ai 1000 de béton, vous vous rendez compte ou pas? On ne pourrait pas envoyer du béton sur la Terre?
Ils ont pas besoin de béton sur Terre. La Terre, elle voudrait pas du béton là un peu ou pas? Ok, j'ai 22 pièces détachées. Bon, c'est pas dingue hein, quand même. Hein. Il me faudrait de l'électronique. Il faudrait que je commande de l'électronique. Je vais faire ça. Je vais commander un petit peu d'électronique. Ah, 25, pas plus. Et après, j'arrête. Parce qu'après, ça va être bon. Hein. Bon, et les enfants là? When procreating? Oh, ça dégoûte vraiment. Hein. Il y a assez pour faire des enfants et tout, mais personne veut. Tout le monde s'en fout. Il y a tout pour faire des enfants, mais tout le monde s'en fout. Donc on est d'accord que... Oh putain, mais ça c'est 12 sur 14. Ah ouais, d'accord. Donc là, faudra direct que je refasse un... Ah mais c'est de la merde. C'est-à-dire que là, en fait, il faut que je supprime ces trois trucs et que je fasse des apparts. Oh non, il faut que je supprime le gymnase, évidemment, le gymnase. Tout le monde s'en fout d'avoir un gymnase, bordel. Ok, exercice et social. Pff, tout le monde s'en fout complètement de ça. Research complete. Allez hop, on démantèle tout ça, là. Ça dégage. On va faire des apparts. Allez, allez, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Et le sport, alors? Les objets de sport, rien que le... Hein, rien que les temps, là, plaît-il. Ok, les apparts. Les apparts, on veut des apparts. C'est la merde. Dôme sans système de survie. Quoi? Oh putain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une dinguerie, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il s'est passé quelque chose. Asphyxie. Oh my god. C'est la fin. C'est perdu. Pourquoi il n'y a plus d'oxygène? Oh! Qu'est-ce qui se passe? Attendez, d'abord, je lance ma petite construction d'appart. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Fuite détectée! Oh! MG les amis. Our colonists are suffocating. We only have a few hours to get them more oxygen before they run out. D'accord. Mais et ben il faut réparer. Il faut que des drones aillent réparer. C'est déjà en cours ou pas? Ouais, il est là. Il va sauver toute la colonie. Durée restante 4 heures. Allez, répare. Trop tard, tout le monde est mort. Non, c'est bon, attends. C'est bon. Ils se sont asphyxiés, mais que quelques jours. Le héros. Bon, c'est fini, c'est bon. On a gagné. Regardez, étape du fondateur. Une statue pour ce drone. Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? À l'aide! C'est quoi cette notif là? C'est quoi? La porte vers les étoiles. La colonie a reçu une évaluation positive. De nouveaux colons peuvent venir de Terre. C'est bon! Et on a fait IA d'explorateur. On va sous-traiter un peu des recherches. Hein. Ok, insane. Capacité de batterie des drones augmentée de 50. Non, je préférerais faire ça, hein, pour être honnête. Ok, bah insane! Qu'est-ce qui se passe ici? Ce bâtiment a connu une défaillance. Ah ouais, je sais. Mais tranquille. Ça va, t'inquiète. Ok, charge des drones élevés. Ouais, là ils sont tous actifs, c'est pas grave. Ok, nickel. Alors là, on va faire venir un nouvel arrivage. Ok? Et après on arrête. Promis, après on arrête. Fusée de transport. Alors il faut faire venir plein de gens. On va faire venir masse gens là. Donc on va enlever tous les filtres déjà. On enlève tous les filtres. T'en tue les filtres. On enlève tout. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut des scientifiques. Des botanistes idiots. Attendez. Ingénieur. Alors déjà, tout ça, ça dégage. Ok. Un ingénieur. Je pense qu'il faut un peu de tout. Hein. Sexy, hippie, fêtarde. Parfait. Ensuite, un agent. Honnêtement, go prendre que des gens sexy, non? Je pense. Talent, sexy. Ah, c'est sûr. Hein.
C'est sûr qu'on prend que des gens sexy, je pense, non? Ah, c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain. Docteur, maladie chronique, perte de santé par jour, calme. Bah non. Est-ce qu'on prendrait pas défaut aucun? Est-ce que ça existe? Ouais, ça doit exister. Hein. Ouais, ça existe. Il y a masse gens. Aucun défaut. Des gens sexy avec aucun défaut. Touriste, ça ne fonctionne pas. Octroie 10 millions de machins à l'arrivée. Part à la première occasion après 5 sols. Oh non. 74 menteurs. Attends. T'as, il me remplit tout seul, c'est chiant. Ok. Agent. Perd moins de santé, sans nourriture, eau, oxygène, machin. Il est pas sexy, lui. Ça marche pas, le truc. Pourquoi ça marche pas? Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Là, ils sont pas tous sexy du tout. Un truc que je comprends pas. Avec les filtres. Voilà, il marche pas. Il est pas appliqué, mon filtre sexy. Merde. Parce que j'ai mis aucun défaut. C'est ça. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Défaut. T'as aussi coché tous les bonus. Ben non. Ah, tous les traits. Parce qu'ils ont tous forcément des défauts. Ah ouais, d'accord. Ils ont tous forcément des défauts. Y'a pas sans défaut. Ouais, du coup, il met tout. C'est ça. Ok. En vrai, l'âge, c'est bon. Parce qu'il y aura peu de... Mange deux fois plus de rations, ça c'est bon, ça se gère. Non mais idiot, ça me bute vraiment. Ça me bute à fond. Ok, pénalité, est-ce que son confort est bas? Si on met ça déjà. Là pareil, ça marche pas. Y a pas les sexy guys. S'il y a pas de sélectionné, t'auras zéro candidat. À moins qu'ils soient au début. Ah oui, ils sont au début, il y en a un qui présente les trucs. Sexy, touriste, religieux, fêtarde. Eh oui, mais pars à la première occasion. Oh, tant pis, hein. Tant pis pour le talent sexy. Faut mettre qu'un seul filtre, en fait. Voilà, là, on a tous les gens sexy. Enfin, au début. 3, 4, 5, 6. Il y en a 6, en fait. Ils sont là. Ok. Ok, ils sont là. Vas-y, hein. Docteur, ingénieur, scientifique, et voilà. Et après, là, on complète. Ah, il faut des botanistes, ça, c'est obligatoire. Hein. À quoi ils servent, les agents ? Ouvrir des postes. Ok. Mais ça me dit pas à quoi ils servent. C'est pas dans la liste préfète. Ah, tu penses? Je crois qu'ils sont en bas, ceux que je jette, ceux que je jarte. Ah si, il y en avait plein. Pourquoi ils sont tous là? Pourquoi il y a un milliard de gens sexy en bas là? Ok. Ok, attends, il y en a plein d'intéressants là. Un botaniste, j'en ai que deux. Il faudrait un agent sexy. Ils sont tous sexy, JPP. Un autre scientifique. En vrai, peut-être pas de spécialisation, mais genre lui typiquement. Calme, gourmand, sexy. Faut pas qu'il y ait trop de gourmands, sinon ça va être la catastrophe. En forme. Gourmand, ça peut être chiant s'il y en a plein. Récupère de la santé mentale en jouant. Pourquoi pas, hein. Un sans spécialisation, ça peut être pas mal. On y va. Ah non, il en faut un de plus. Bon bah, scientifique. En même temps, mélancolique. Ingénieur. Pas trop d'ingénieur. Et géologue, y a pas de géologue sexy? Ça me tue de dire ça.
Ah, j'ai mis un touriste. Non. Il y en a des touristes, faut pas les mettre. Un touriste, c'est terrible. Bon, un petit géologue qui est pas sexy, tant pis. Ce sera le seul pas sexy de la fusée. Le mec va arriver dans la fusée. Il va être comme ça, il va regarder autour de lui. Soir. Soir. Oh putain, énorme. Allez, go. C'est parti. Bon, et voilà, c'est tout, hein. On va aller faire... Ah, vous savez quoi? Je vais quitter là-dessus. On va sauvegarder. On va l'appeler... Arrivage sexy. Cette game. Il va draguer de la caillasse, il a pas besoin d'être sexy. C'est vous, c'est vrai, il est géologue, c'est bon. Géologue. Ça va nous faire chier longtemps. Et donc, est-ce qu'on les fait atterrir là? Non, je pense qu'on les fait atterrir là, parce qu'il y a de la place. Le 12-14, 0-14, faut remplir ce dôme-là d'abord, je pense. Enfin, en plus, faut que ce bâtiment et celui-là produisent. On va faire l'usine et tout. Ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool. Ok. Bon bah écoutez, c'était tout pour notre petite découverte de Surviving Mars. C'était très cool. On y rejouera un de ces quatre. Et voilà. Ça m'a bien plu. Enfin, je voulais live plus tôt aujourd'hui, mais j'avoue que... La journée est passée vite. La journée est passée bien vite. Enfin, c'était vraiment un jeu cool, hein. Je pense que j'y rejouerai demain. J'y rejouerai demain, j'allumerai le live un peu plus tôt. Demain, on fera le lancement de... Enfin, quand je dis demain, c'est... dimanche. Ok. Là, on est samedi, c'est ça? Ouais. Quand je dis demain, c'est dimanche, dimanche soir. On fera aussi le lancement de Z Univers, le jeu de cartes à collectionner du Discord. On fera ça vers 20h, 21h, je pense. Et voilà, je vous expliquerai vite fait ce que c'est. Vite fait, parce que moi j'y connais pas grand chose. Et ça sera cool. Bon, merci à toutes et à tous d'avoir été là. C'est la fin de ce live pour aujourd'hui.